vient d'ouvrir une lettre contenant de la poudre blanche. Rendez-vous à la salle d'attente par le couloir sud-est. Vous connaissez les consignes. Tenez. Lettre ouverte dans le bureau de l'agent spécial Gibbs contenait une fine poudre blanche. Procédure contre-attaque biochimique en place. Troisième étage en évacuation. McGee, vous avez appris les consignes? Oui. On se douche, on brûle tous nos vêtements, on fait une prise de sang, on reste dans la place jusqu'à ce que le produit soit identifié, excepté si... Ah, j'en ai de la chance. Je vais passer le week-end à Bethesda à être transformé en une espèce d'hérisson à seringue. Il ferme les conduits d'air. On file sous la douche, Tony. Avec joie, Kate. Pardon, Gibbs. Qui a bien pu m'envoyer une lettre remplie d'anthrax? Une fille que tu as fréquentée, t'as l'embarras du choix. Ça n'a rien de drôle. Oui, je sais. La situation est sérieuse. Tu as raison, je suis désolée, Tony. En ce moment même, il y a quelqu'un qui est en train de passer à l'incinérateur mon costume italien en lin et soie, ma chemise achetée à Londres, mes pompes françaises sur mesure et ma cravate en soie sauvage. Tu sais, c'est peut-être pas de l'anthrax. Ça, c'est une idée qui me plaît bien. Ceci dit, ça peut être une grippe mortelle, la peste bubonique, le choléra... Je t'en prie. De la poudre pour le visage, pour le corps, du talc pour bébé. Du talc de rose. Du talc de rose. Du talc de rose. J'en envoie toujours aux gonzesses. Aux femmes, pardon, Kate. J'en offre aux femmes en cadeau de Noël. C'est très sensuel. On l'applique avec du duvet de cygne. Ah, c'est le meilleur moyen de tomber sur un bec. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. C'est parce que ta mère t'a élevé dans le respect des femmes, Maggie. La peau des femmes en devient soyeuse et douce. Les baisers ont le goût du miel et de la rose. J'en ai reçu une boîte à Noël cette année. Sans carte. Ça doit être une erreur de la poste, Gibbs. Quelqu'un a eu ta bouteille de 10 ans d'âge et toi t'as reçu... Je croyais que la poste devait irradier notre courrier. Oui, c'est la consigne. Tout le courrier fédéral se trouve engouffré dans une machine à rayons ioniques à Bridgeport. S'il contient de l'ADN, celui-ci est tué. Maggie, les maladies que t'as nommées, elles ont de l'ADN? Elles en ont. Tu aurais dû le laisser mourir de peur. Alors aucun souci. Sauf si la poste a encore fait une bêtise.